Ça me fait venir, on le voyait en fond derrière la caméra de Hall. Hall Kid, t'es chaud? Adrien, tu vas kiffer? Bah, je te laisse donner ton avis. Monsieur Gomu Gomu. Un plaisir. Un plaisir, comme d'habitude. À renouveler. Merci bien. Merci pour tes travaux en tant que caster. Adé, comment tu vas? Bah écoute, très très bien. Et toi, mon ganas? Ah, ça très très bien, c'est magnifique. C'est une super journée aujourd'hui. On est en fête. Aujourd'hui, il y a Smash Bros. Aujourd'hui, il y a du football. J'étais tapé la balle. Franchement, c'est incroyable. Un peu, ouais. Si, c'est incroyable. C'est incroyable le fait de concilier, de pouvoir aller jouer, taper un ballon. Tu vois, on se voit souvent dans des conventions, dans des events. Mm-hmm. On n'est que autour de manettes et d'écrans. Et tu vois, on peut pas s'exprimer autrement. Alors qu'on s'apprécie, alors qu'on aimerait tous échanger plus de choses ensemble. D'accord, ouais. Et là, sincèrement, tu prends tes potes, tu prends tes gars, tu vas, ça tape une balle. On était là, on était en train de se faire des frappes et tout. C'est magnifique, c'est exceptionnel. C'est ça. C'était les vagues de la cité. C'est totalement le but. Hein. Le but, c'était de pouvoir lier le sport et l'e-sport. Et clairement, là, il y a plein de gens qui jouent, ça s'amuse un peu de partout, ça déstresse un peu en fin de braquette et tout, donc ça fait plaisir. C'est fou. Et du coup, on est reparti, Hall qui va devoir se retaper un brawler. Il s'est fait bien chauffer par Sirov quand même. C'était comment? C'était 3-0 C'était 3-0, assez autoritaire quand même, assez sec. Hein. Okay, pas te mentir, c'était assez sec, il n'a pas été vraiment inquiété, Sirov qui n'a pas su s'employer. Maintenant, Kit, c'est une autre paire de manches, c'est un spécialiste du perso, lui, il est main de brawler, pas comme Sirov qui le pocket. Et donc, on part sur un suplex et déjà, on voit que c'est un petit peu différent dans la physionomie parce que là on est à l'avantage pour Kid alors que c'était pas le cas tout à l'heure. C'était Hall qui était systématiquement devant et c'était compliqué pour Sirov qui devait faire la course derrière. Clairement Kid qui a fait une bonne entrée de jeu, mais on voit que Hall ne sait pas faire non plus. Hein. Je vois une petite phase, ok. Bah, malheureusement un petit overextend, il se fait reverse. Et là malheureusement on est déjà dans les pourcentages de bouilla du mi-brawler. Et c'est chaud pour Hall qui a acculé au ledge, petite phase de ledge trap, ok, down tilt, il va chercher quelque chose. Kid, ok. Il se fait reverse. Là, c'est le moment où il faut mettre des pourcents. Nice, repère. Encore, down B. Ah, je crois que Hall, il est en train de montrer qu'il n'a pas fait ce superbe résultat à Toulouse, à domicile, pour rien. Il est en train de montrer qu'il n'est pas considéré comme le roi du Sud pour rien pour le moment. Mais, toutefois, je voulais dire Kid. Ouais, pardon. Kid, j'ai compris, Hall. T'inquiète pas. Ouais, t'avais compris. Il n'y a pas de soucis. Mais ouais, Hall, là, qui est bien revenu. Clairement, là, c'est très très serré entre les deux. Et la belle ride de roll et là il est en train de bécan qui n'est pas tué tout de suite, on a déjà vu les éclairs mais bon ça aurait été un peu abusé qu'il meurt tout de suite. Et là ouais il a kill pour 100 et ouais là c'est cuit. Finito, pipo. Première stock prise par Kid, très clean. Et là malheureusement il a de la rage, il va falloir le kill très très vite, sinon c'est parce qu'on connaît, hein, on connaît Kid très très précis sur ses ladders. Et là à 101% avec de la rage ça peut aller extrêmement vite. Un petit nerf, il n'y a rien après ça. Ouais. C'est des petits confirmes comme ça à 16%, on va gratter, petite interaction sur petite interaction. Est-ce que, tu sais, Simi Bagarre, il a justement des gros ladders qui peuvent monter à 50, 60 Bah ouais, dans tous les cas, en fait, c'est juste qu'il faut être super chaud au niveau exé. Mm-hmm. Mais en soi, il a des ladders tout le temps, en fait, soit à n'importe quel pourcent. Et là, ouais, le down air qui va tuer. Il a explosé. Très très belle ride de Ricolo. Kid qui a un peu dormi, hein, malheureusement, il a pas pu prendre beaucoup d'avance du coup. Mais là, Ça va très très vite, hein. Ah, ça peut aller extrêmement vite, ça n'a pas spike, malheureusement. Et là aussi, on ne saurait pas tuer, mais bon, ça aurait mis très bon pourcent. Ah, j'aime beaucoup, on essaie de se carotte à la fois en bas et à la fois en haut du stage. Ça dépend de quel côté du personnage on se situe. Mais ça se bagarre plutôt pas mal pour l'instant, hein, ce combat de Pikachu qui tape mi-bagarre. Clairement, franchement, c'est assez even, hein. On a un très beau jeu. C'est pas du tout one-sided ou quoi. C'est deux joueurs, je pense, qui ont un niveau à peu près... homogène, hein, clairement. C'est équivalent. Ouais. Et là, ce qu'on voit là, c'est équivalent. Pas encore dans la fenêtre, malheureusement. Toujours des options bien safe. On envoie deux Fatal Food, mais on se fait punir. Okay. Dance Rugby, ça tue pas. Pas encore. Et là, la prochaine, malheureusement, je pense qu'elle sera fatale. Le neutral B ou un B bien placé. Et là, Hall, faut qu'il trouve un truc, il faut qu'il cardjack. Ouais, c'était un peu bizarre. C'est une interaction un peu étrange. J'ai une petite question à te poser. Normalement, quand tu paries un des hits, ça parie auto-parie tous les autres hits. Comment ça se fait que le backer a touché malgré Smash Pikachu, Bros, c'est un perso maudit. J'ai compris. Smash Bros, franchement, des fois, il ne faut pas trop te poser de questions. Hein. On n'aura pas de réponse. C'est quoi ça? Ouais, et là, le nerf qui a encore la stock, très très belle phase de l'edge trap de Kid. Et là, side B, ouais. Oh, dingue. Je pense pas qu'il se tue avec lui. Il se tue, mais je crois qu'il meurt pas, Pika, parce qu'il a une Rico assez bonne. Donc, ouais. Je pense qu'il a le temps de sauter de B. Mais ouais, la Hall, là, faut qu'il trouve la stock, oh parce que là, sinon, ouais, ça tue, c'est un combo. Nair et Smash avec Brawler, c'est quelque chose. Hein. Vous avez vu, la patate, elle était électrisée comme celle de Kazuya, elle fait mal. Hein. C'est ça. Et là, ok, là, ça aurait pu tuer. Il arrive très bien à l'Edgetrap depuis tout à l'heure, il tout frame très très bien les Rico. Là, on voit le passé de Fox, en fait, hein, qui fait le taf en termes d'Edgetrap. Mais là, Hall, très très bonne reconnaissance, il a dashback et Smash, Kid qui a voulu overshoot. Voilà, un micro déplacement, un peu d'ambiguïté.
On est sur une bonne lecture, on est sur un kill confirme du coup. Enfin, un kill confirme, un kill move tout simplement dans le neutral, mais qui fonctionnera parce qu'on avait la lecture. Ça a une bonne read. Là, 36%, c'est pas fini pour Hall. Et là, est-ce qu'il meurt? Il meurt? Non, ok, il meurt pas tout de suite. Là, la prochaine sera fatale, mais Hall qui peut le faire, hein, franchement, un petit cardjack, un petit phase de offstage, comme on l'a déjà vu, Hall à première stock. Ouais, c'est là, fini, contre, c'est fini. Ouais, l'air dodge directionnel, malheureusement, qui était très très vilaine. Il a suivi instantanément, il l'a vu, il a dit « Oh, de la nourriture, ouais, de la vraiment, nourriture vraiment. Donnez-moi ça, vite !» Il est parti, il a sauté dessus, et là, Hall, du coup, ouais, il se rend compte que, bah oui, non, ce n'est pas le même mi-brawler. Ce n'est pas le même adversaire. Il est venu en Marcel, il est venu à l'effigie de son personnage. Il est venu en mode paca. Hey, il a le skin un petit peu de Terry des mecs là, dans Double Dragon à l'époque de la SNES. Je sais pas si t'as eu l'occasion de faire ces jeux-là dans ton enfance. Les jeux là, tu scrolles. Les jeux scroll, t'avances. T'avances, tu ramasses une base de baseball par terre, tu commences à taper tout ce qui t'entoure. Barre en fer. Nunchakouche là, c'est exactement ça. Tu pouvais les tèches sur les adversaires. Et bah justement, t'avais des mecs comme ça dans Fatal Fury, Final Fight et tous les trucs comme ça. Ils pouvaient faire des suplexes. C'est vraiment le comme du bagarre. C'était ça. Voilà, il a mis des sacrés suplexes dans la game. Hein. Et là, on va falloir que Hall se réveille. Il va falloir que Hall qui nous remontre ses phases d'edge guard comme il nous a montré la première game. Les petits combos, et là c'est Kid hein, qui va combo au petit upper, non, qui a pas à suivre malheureusement. Oh là là. Et là, oh, il est sur. Oh là là. Mon dieu. Oh, c'était. Oh. Il est cuit. Il est cuit. Un upper. C'est plus quoi dire. Onomatopée sur onomatopée, c'est une dinguerie. Et là, ouais, Kid qui nous fait une très très belle entrée en jeu. En fait, il enclenche les boutons au moment parfait. Il est sur l'adversaire, il sait combien de frames actives il y a sur le nerf. Et bah il va l'enclencher au bon moment pour que ça touche le Pikachu derrière de Hall. Et derrière il va enchaîner interaction sur interaction, c'est une dinguerie. C'est ça, il a les timings qui sont bien trouvés, c'est trop trop fort. Non, il est très très précis sur ses ouais, inputs. Propose pas là, mal là, de là, là ça retue. Et voilà, on est parti. Ok. C'est goofy de ouf, c'est une dinguerie. 57% seulement sur la première stock. Non, Kid qui déroule. Non, franchement, Kid qui nous remontre encore que c'est lui le mi-brawler de la zone. Hein. C'est lui le mi-brawler de France. C'est l'originel. Ouais. C'est lui qui crée la méta. Franchement, c'est lui qui crée la méta. Hein. Il est très très chaud. Il a vu la lumière et là, il nous montre de très très belles phases. Hall, franchement, je veux bien être optimiste, mais là, il va nous. Il va falloir du cardio surtout. Il va courir beaucoup là. Ouais. Cours derrière le score. Hall, ne lâche pas l'affaire. C'est encore faisable, c'est réalisable. C'est Smash Bros. C'est le jeu du comeback. On le sait, on le dit. Mais bon, allez. De toi à moi. C'est chaud là, il est mort. Ah, ok. C'est une dinguerie les confirmes qu'il a ce perso, ça va trop vite. Un up tilt, un upper, un up B fin. Et là, Hall qui a 86%. Il va falloir qu'il nous trouve la stock, qu'il nous trouve un cardjack. Et là, encore un lardage directionnel. Non, il ne sera pas puni cette fois-ci par le B. Il y va, il n'a pas peur. Ah, il n'a pas peur. Ah non, ça ne touche pas. Allez, okay, ça c'est puni quand même. La dash attack qui est un peu trop ambitieuse. Hein. Un peu de respect, s'il te plaît. Ouais, si, parce qu'il est sur la plateforme, parce qu'il le catch depuis la plateforme, donc il est un peu plus haut. Même s'il n'y a pas de rage, bah forcément ça tue. On était à 2, 3, 4, 5% peut-être que ça tue pas, mais là ça a tué. Clairement, il était sur la plateforme. C'était fini pour le Pika. Non, je jure qu'il a le skin des mecs de Final Fight. Ça me termine. Les mecs de la Neo Geo, là. Il a la dégaine un peu du prisonnier, là. Je sais pas si tu vois, là. Si, Cody. Si, c'est Cody. Il dégaine un peu de Cody. Ouais, c'est ça. Et il a été ajouté à SF5, si je dis pas de bêtises, ou 4, je sais plus. Ouais, incroyable. Alors que c'était pas du tout dans la même licence là-bas. Je crois que c'était un mec de SNK. Il y a trop de flow. Incroyable. Cody là qui fait de la bonne bagarre. La bonne bagarre, il a les chaînes et je crois qu'il envoyait des cailloux. Il envoyait des cailloux quand il se battait. Il envoyait des cailloux, il envoyait des trucs comme ça. C'est ça. Tout dans le vice. Là, Cody, là, il nous montre qu'il veut aller en top 8. Je jure, il a abusé. Il a même mis la chaîne en argent. Kid, il est cosplayé. C'est une dinguerie. Ah là là, la drip incroyable qui lui permet d'élever encore son niveau. Tu sais que ça rajoute de l'aura au perso, ça rajoute du charisme. Vraiment. Quand vous ferez la mi-temps 3, là, il y aura les cartes des joueurs. Vous mettez Kid, vous mettez charisme. 100. Charisme 100. Juste charisme. Il est cosplayé. C'est une dinguerie. Et là, Hall va falloir qu'il nous montre un jeu, je pense, plus patient, peut-être. Plus de T-Jod, là. Oh là, il est mort, wesh. Tu l'as dit, hein. T'as dit quoi? Nerf, F-Smash. Ouais. Il l'a électrisé. Une patate dans le foie de Pikachu. Il y a maltraitance sur Animo. En termes de knockback, je crois, j'ai entendu parler, je sais pas si c'est vrai. Ouais. C'est équivalent au S-Smash de Ganon. Oh! Mais ce serait absurde. Ouais, mais c'est absurde. Bah, gros, il a explosé à 50, là. Non, c'est absurde.
Si c'est vrai, c'est absurde. C'est peut-être un peu moins fort, mais en fait, c'est très lagué. Ouais, équivalent, quoi. Ouais, il est mort. Okay. Oh là 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 là. Là, Hall, ouais. Hall qui fait un très mauvais début de partie, malheureusement. Ça n'a rien à voir avec Sirov. Et là, il se fait totalement ému check. Ouais, ouais. Malheureusement, c'est un peu ça. Pour l'instant, on va. Voilà. Non, non, chef, non, Hall, pas comme ça. Ne réduis pas les espoirs de tes supporters à néant comme ça. C'est... Pas avec ce type de suicide. Ouais, non, pas comme ça, pas comme ça, pas après tout ce que t'as fait. Ouais. Oh non! Voilà, montre-lui! Montre-lui, c'est réveille-le un peu, réveille-le, mon gars. C'est pas fini, montre-lui que t'es là. Yasumi Esport, montre que t'es là. Fais-le pour ta structure, fais-le pour le Sud. Ah, il peut le réaliser cet exploit. S'il envoie pas des cheat jolts dans le mauvais sens, il peut le faire. Il peut... J'arrête. Ok, j'arrête. Ok, je lève les mains, les gars. My bad. Putain, non. My bad. Non, en vrai, beaucoup de respect sur lui. Il a extrêmement bien joué. Déjà, il s'est super haut. Mais là, je crois que la marche, elle était un peu trop. Je crois qu'on a un kit qui est en furie, on a un kit qui est enragé. Ok, allez, backer. Ok, Dan Benan. Là, en vrai, sur un card jack, il y a un monde. Hein, parce que Kid, on le connaît, il est assez. Il est assez cramé quand il veut finir les E7, tu vois, il va vouloir finir, il va y aller. Ouais. Donc là, il peut trouver des petites ouvertures hall. Sur un petit edge guard, un petit cardjack, un petit truc, il y a un rêve. Mais là, je crois que le rêve... Il y a un cauchemar. Ouais, là, ça va se transformer en cauchemar pour l'instant. Il y a un cauchemar, qu'est-ce que tu me racontes? Arrête. Arrête ton storytelling, gars, t'es un menteur. T'es un menteur. On a essayé. Il n'y a rien. Kid, 3-0. Il va mal dormir. Il va mal dormir, il va se coucher. Si il va commencer son rêve et il va voir Sirov en face. Ouais, j'ai gagné, c'était trop bien. Ouais, Mi Brawler, c'est bon, je connais. Il y a Kid qui est venu s'asseoir.